Balance, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, merci pour votre présence. Alors, nous sommes ensemble pour voir les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois de juin 2022. Le tirage est fait. Alors, mon arcane majeur, vous avez donc la force qui est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de juin. Vous avez l'étoile ici, dans la vie sentimentale. Ensuite, des coupes, des deniers, des épées, des bâtons. Tout est là, tous les arcanes mineurs sont représentés. Donc, c'est assez équilibré. Vous avez deux 10 ici, vous avez trois 10. Vous avez trois 10 dans le jeu. Deux 9 là. D'accord. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors, on va commencer par l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. La force, moi je pense que ça représente, je dirais, toutes les qualités intérieures, c'est-à-dire la motivation, la confiance, l'endurance aussi, que vous allez avoir ou que vous allez mettre, on va dire, au profit de vos désirs ou de vos attentes. C'est-à-dire que vous aurez peut-être des situations à traverser dans lesquelles cette patience, cette confiance que vous avez, cette force aussi, pourront s'exprimer. Je pense que vous êtes prêt pour toutes les épreuves, pour tous les défis, prêt ou prête, hein, vous vous arrangez bien sûr en genre. Et puis c'est aussi une énergie, je dirais, de confrontation. On parle, en confrontation, on va parler davantage de vos peurs, de certaines émotions, de certaines craintes que vous pourrez avoir, face auxquelles vous allez comprendre que vos ressources sont puissantes pour justement absorber tout ça ou faire face. On parle dans la force d'un contrôle, d'une maîtrise. J'ai davantage envie de parler de patience, de calme aussi intérieur, parce que ça vous permet, enfin, contrôler, maîtriser. Bon, voilà, je préfère parler de calme et de... Il y a une forme de sagesse. Vous mesurez les choses dans le calme et vous avez cette capacité-là. Et vous allez aussi sans doute en prendre conscience sur le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que, on va voir, hein, mais votre jeu nous parle de tout ce que vous avez abouti, on va y revenir, hein. On va voir, allez, on va voir, on continue. Votre état d'esprit, vous avez la 10 de coupe et la 10 de denier si j'arrive à l'attraper. Les 10, vous avez une autre 10 ici. Les 10, vous le savez peut-être, ce sont des fins de cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on a vraiment posé quelque chose, construit quelque chose, installé quelque chose. Moi, sur votre état d'esprit, je n'ai pas grand-chose à dire en vérité, si ce n'est qu'il est au beau temps, hein, il est au beau fixe. Des énergies qui sont accomplies, qui viennent aussi, je dirais, souligner ce sentiment d'aboutissement, de réalisation, de bien-être. On va commencer par la 10 de coupe. Sachant que d'ailleurs, les deux hein, évoquent la famille, évoquent le foyer, hein, les enfants, etc., qui sont représentés sur les deux cartes. Hein. La 10 de coupe, déjà les coupes, ça représente les émotions. Mais vous êtes allé le chercher, ce bonheur. Et en juin, vous profitez avec ceux que vous aimez et qui vous aiment aussi d'ailleurs. Avec ceux qui ont partagé votre histoire d'une façon ou d'une autre, votre cheminement. Ce sont peut-être d'ailleurs des amis, hein, c'est la famille, mais ça peut être la famille de cœur. Ce sont peut-être des amis de très longue date hein, qui sont là et avec qui vous allez partager des moments forts, des moments... voilà, et tout cet environnement-là qui vous rassure, parce que ça vous rassure parce que ce sont des liens qui sont forts, qui sont authentiques. Les échanges sont sincères et précieux, j'ai envie de dire. Et vous profitez de tout ça. Et puis, il y a la 10 de denier qui vient avec. La 10 de denier ben, qui nous explique hein, tout ce que vous avez, vous, mis en œuvre pour construire justement cet environnement qui émotionnellement vous convient parfaitement. Les deniers, c'est le labeur, c'est l'ouvrage, c'est concret. Et comme je vous disais, les 10, ça nous parle de vos réussites, de vos réalisations qui sont bien concrètes. Moi, je pense que vous êtes heureuse et heureux dans ce que vous avez bâti. Vous êtes exactement, je dirais, à l'endroit précis de vos désirs, de vos espoirs. Ici, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, ce sont les souhaits qui sont en train de s'exaucer, de se réaliser. Et la 10, c'est la forme la plus idéale ou la plus aboutie de ça.
On n'est pas forcément sur des choses qui sont extraordinaires, hein, qui sont gigantesques. C'est simplement un bien-être et un bonheur à partager avec les gens qu'on aime dans tout ce qui a été fait depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? L'as de denier. Je pense que ça évoque, hein, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, une nouvelle voie dans laquelle vous vous êtes lancé. Peut-être que c'était une nouvelle idée, peut-être que c'était un nouveau projet, une nouvelle façon d'aborder quelque chose. En tout cas, cette graine de denier, elle a été plantée pour justement donner ce bonheur que vous vivez là sur le et que vous éprouvez sur ce mois de juin. Ça a été planté pour construire cette tranquillité, cette sécurité, qu'elle soit financière, professionnelle, émotionnelle, familiale, peu importe. Ça peut être personnel, je ne sais pas. Mais tout est parti de cette opportunité. Tout est parti de là. À un moment donné, il y a eu quelque chose de nouveau et vous vous êtes jeté dedans. Je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui parce qu'il y a eu tout un cheminement entre l'as et la 10 de denier, tout un travail qui a été fourni. Il y a eu un moment sans doute où ça peut être un travail sur vous, ça peut être un travail bien concret, votre activité professionnelle. À vous de voir comment ça s'adapte le mieux par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais vous avez, à un moment, vous avez planté cette graine-là pour aller vers quelque chose qui aujourd'hui est accompli. Ce que vous désirez le plus, l'as d'épée. Rien ne vous arrête. C'est-à-dire que je pense que vous avez encore une nouvelle idée parce que forcément, avec les 10, on l'a vu, vous avez quelque chose qui est en train d'aboutir. Ce qui veut dire, quand ça aboutit, puisque ça clôture un cycle, les 10, ça veut dire que ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Et il y a pour vous peut-être quelque chose à inventer pour ne pas stagner justement dans ce qui est déjà réalisé. Vous n'avez peut-être pas envie de vous contenter. Vous voulez profiter, oui, vous voulez savourer, apprécier, partager, oui, mais pas seulement. Et cet as, c'est pour vous presque comme un éclair de génie. Avec les épées, vous êtes innovante ou innovant, vous passez à l'action. Vous voulez réfléchir, je pense, à créer quelque chose de nouveau. C'est créer une étincelle qui est brillante, en fait, et vous en avez très envie. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est comme si tout va bien. Et puisque tout va bien, on peut effectivement aller vers quelque chose. Et je pense que ce quelque chose-là, vous l'avez déjà en tête. Et c'est quelque chose, ça fonctionne comme, ça y est, Eureka, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut faire, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Il y a quelque chose comme ça. L'énergie qui vient vous aider, le roi de denier. Ben, je dirais ce qui vous aide, c'est votre assurance déjà. Hein, c'est un roi, donc un roi, ça s'impose. Hein, c'est la dernière figure de la lignée des deniers. Donc, il y a beaucoup de sérénité en vous. On l'a vu, pourquoi? Parce que vous avez construit quelque chose qui est très stable, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes en état d'accueil pour de nouvelles choses et d'une façon très tranquille, très calme, très sereine. Ce roi de deniers, il est à l'abri. Ici, avec la 10 de deniers, il y a aussi cette idée que vous êtes à l'abri. On parle de patrimoine, forcément du coup d'héritage, de ce que vous avez peut-être reçu, de ce qui va pouvoir être légué, j'en sais rien. En tout cas, ce qui vous aide sur le mois de juin, c'est que quoi que ce soit que vous ayez en tête ici, c'est quelque chose que vous pouvez appréhender avec infiniment de tranquillité. Vous êtes à l'abri, les gens que vous aimez sont à l'abri. Vous n'avez pas forcément de soucis, on va dire, financiers. Ça ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'argent. Ça veut simplement dire que vous avez ce qu'il vous faut pour vous sentir en sécurité et pour vous permettre de planter une nouvelle graine de quelque chose ou de vous permettre d'aller vers quelque chose de très nouveau, qui n'a peut-être d'ailleurs rien à voir avec ce dans quoi vous êtes actuellement. Ça peut être aussi ce qui vient vous aider, le fait que ce que vous êtes en train de vivre, ça vous ressemble complètement, ça colle avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que les deniers, effectivement, ça représente la matérialité, le travail réalisé. C'est aussi tout ce qui a de l'importance pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux, de la valeur dans ce que vous vivez. Adaptez-le encore une fois par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Vous avez un défi quand même.
La 10 de bâton. Là encore, c'est une fin de cycle. Forcément, alors les bâtons, les 10, on est encore sur une clôture de quelque chose. On est au bout d'un chemin. Ce personnage porte ses bâtons. Le défi pour vous, ce sont vos responsabilités, ce sont vos contraintes, ce sont les devoirs que vous avez. Il faut porter tout ça jusqu'au bout du chemin. À partir du moment où vous l'avez porté jusqu'au bout, effectivement, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Même si vous êtes très sereine ou très serein pour aborder une nouvelle étape, une nouvelle idée ou quelque chose de nouveau dans votre vie, peu importe quoi, il faut quand même ne pas négliger vos responsabilités, vos contraintes, vos devoirs. C'est tout ça qu'il porte, ce personnage. C'est un peu pesant d'ailleurs, c'est un peu fatigant d'ailleurs. Hein, il y en a là apparemment sur vos épaules. Donc peut-être aussi que ça pourrait ressembler pour vous à une sorte d'échappatoire. Attendez, soyez patient. Vous avez la patience de toute façon avec la force. C'est peut-être là qu'il va falloir jouer un petit peu sur ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite que la musique. Patientez un petit peu, faites chaque chose en son temps. Ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair et puis de pouvoir vous aventurer sur quelque chose qui aura aussi l'espace et la place de grandir. Si vous êtes trop encombré de tout ça, vous n'allez pas l'appréhender pareil. Au niveau professionnel, la reine de nez, vous avez quand même pas mal de deniers. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes de deniers sur ce tirage, ça fait pas mal. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle de tout ce qui vous sécurise et de tout ce qui vous permet de vous sentir à l'abri. La reine de deniers en professionnel. Alors, ce qu'elle a de bien, cette reine, c'est qu'elle n'est pas dans l'émotion. Si par exemple votre nouvelle idée elle est professionnelle, vous n'allez pas vous laisser forcément emporter par l'émotion que ça peut générer en vous. Elle est pragmatique, elle est pratico-pratique, elle trouve des solutions. Elle est territoriale, c'est-à-dire qu'elle prend soin de son territoire. Son territoire, c'est effectivement sa maison, son lieu de travail, c'est aussi les gens qu'elle aime, l'endroit où elle vit. Pour vous, c'est important. Au niveau professionnel, c'est important. Vous avez besoin de sécuriser tout ça, de savoir que tout ça est bien solide, bien ancré, comment je pourrais vous dire? Oui, que les bases sont fiables en fait. Et effectivement, au niveau professionnel, alors vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, vous êtes, quelle que soit votre situation en réalité, ça nous explique à cette reine que vous faites les choses dans l'ordre. C'est un défi, mais vous le faites sur la sphère professionnelle. Vous ne faites pas n'importe comment. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes concentré sur quelque chose et notamment sur le bien-être, le vôtre bien sûr, mais aussi celui des gens que vous aimez. Et vous avez quelque chose qui est bien organisé. Vous protégez ça. Quand on dit qu'elle est territoriale, c'est ça aussi, c'est qu'il y a ce désir de protéger ce qui est acquis. Parce que ce qui est là, c'est ce qui permet à vous et aux gens que vous aimez de pouvoir vivre sereinement et tranquillement quelque chose. C'est parfait. Au niveau sentimental, l'étoile, très belle carte, très positive. C'est une carte au niveau, alors sentimentale, bien sûr, dans vos relations de couple, évidemment, mais aussi dans vos relations amicales. Familial, on est dans les relations et dans les sentiments, oui, mais c'est en couple ou pas, à vous de voir comment ça va résonner. Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin d'être honnête, vous avez besoin de pouvoir échanger avec un partenaire, avec la famille, avec les amis, d'une façon authentique, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir aussi cette confiance en vous. L'étoile, c'est un arcane de séduction, c'est un arcane, si vous êtes célibataire, ce qui c'est peut-être aussi votre façon différente sur le mois de juin d'aborder une possible rencontre, par exemple. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant pour rencontrer quelqu'un? Quels sont et que vous soyez en couple ou célibataire, ce qui est important là dans la sphère sentimentale pour vous, c'est de parler avec votre cœur. C'est de parler avec franchise et c'est d'avoir une communication qui ne va pas chercher à cacher quoi que ce soit. Au contraire, vous allez parler de vous et vous allez avoir besoin que la personne en face ou les personnes en face
fassent la même chose et appliquent à leur discours le même filtre, on va dire, d'authenticité et de sincérité. C'est une carte très positive, en fait, dans la sphère sentimentale. Comment vous vous sentez durant ce mois de juin? Vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, c'est une carte qui nous parle souvent de co-création, de collaboration, d'association. Ce qui peut être le cas pour vous, parce que peut-être que tout ça, cette nouvelle idée, c'est peut-être professionnel, j'en sais rien pour certains d'entre vous. Je pense que dans la mesure où on est là, dans comment vous vous sentez, je pense que vous vous sentez très aligné. Vous êtes d'accord avec vous-même. Ce que veut votre cœur, ce que veut votre esprit, ce que vous voulez dans la matière, ce que vous voulez concrétiser, tout ça va bien ensemble. Vous avez réussi, je dirais, à faire en sorte que... C'est comme si vous vous étiez rassemblés à l'intérieur de vous. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le verbaliser. C'est comme si vous aviez peut-être des morceaux un petit peu épars à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que votre esprit était d'un côté, le cœur de l'autre, le travail ici. Et là, sur le mois de juin, vous arrivez à rassembler tout ça et à ne faire qu'un. Voilà, ça peut se retrouver effectivement dans une association, dans une collaboration, puisque c'est ce qui est indiqué ici. C'est quelque chose qui fait grandir, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans un échange avec d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant, de constructif et qui fait grandir. Vous avez un très beau tirage, hein, les balances. Ce vers quoi vous allez à la fin de mois? Alors, étonnamment, vous avez 2-9. C'est-à-dire qu'ici, dans l'état d'esprit, dans le défi, vous avez des choses qui sont quand même... réalisé, abouti, et ici, on y est presque. C'est la 9 de bâton et la 9 de coupe. La 9 de bâton, ça nous explique que vous êtes en train, à la fin du mois, alors c'est peut-être aussi par rapport à cette as d'épée qui est là, hein, c'est-à-dire cette nouvelle idée que vous avez, et justement, puisque le défi, c'est de porter vos charges, vos responsabilités jusqu'à la fin, ça nous explique que vous savez bien à la fin du mois que vous n'êtes vraiment pas loin de pouvoir réaliser ou mettre en œuvre ou démarrer véritablement cette as d'épée. Vous êtes un petit peu, il y a un petit peu de fatigue, forcément, hein. Que ce soit le roi de denier, la 10 de denier, vous avez travaillé, hein. Tout ça, c'est venu parce que vous avez bossé beaucoup sur vous, concrètement, réellement. Il y a eu beaucoup de travail de votre part, donc il y a un peu de fatigue. Mais il n'empêche, hein, que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce dernier tour de garde, c'est aussi pour atteindre un rêve, c'est aussi pour atteindre quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Les coupes, ce sont les émotions. La 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, fin de mois, avec un petit passage comme ça, où vous allez peut-être, c'est peut-être là aussi la patience de la force dont on a parlé au début du tirage, c'est peut-être sur la fin de mois parce que, étant donné que tout va bien, vous avez peut-être une envie de passer à l'action qui est rapide, et il vous faut quand même encore gérer certaines choses. C'est un très beau tirage pour ce mois de juin. J'espère que ça fera écho à ce que vous vivez. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et puis pour vos engagements. Grâce à vous, la chaîne est vue par de plus en plus de personnes. Donc, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et puis également pour vos abonnements, bien évidemment. Je suis en train de démarrer le travail sur les énergies du deuxième semestre 2022. Donc, je les mettrai en ligne dans pas très longtemps. Je pense que je les mettrai tous en même temps. Je vous remercie encore pour tout. Prenez soin de vous. Profitez bien. Apparemment, tout va bien pour vous et c'est tant mieux. À très bientôt. Merci pour tout.